Merci beaucoup, merci encore une fois à mon ami Nono qui fait un si bel travail avec moi dans le studio. C'est lui qui est caméraman aujourd'hui en absence de Ronelson et qui rend l'émission ça pour cette émission pour l'émission Rituel et Prière. Et j'aime dire non, c'est une émission qui crée en façon que pour nous donner de bonnes connaissances, pour nous connaissances positives et sans pour tout que nous faisons équilibrer à côté. Nous parlons un peu, qui pas tellement non, nous parlons de la négativité parce que toujours que tout ça n'a pas pour nous. Oui, il y a d'autres personnes qui l'utilisent de façon négative. Leur utiliser pour faire mon du mal, pour faire mon bien, parce que c'est eux-mêmes qui comptent, qui soient besoin, qui soient cherchés. Parce que nous, dans la radio, le poser vos dos, nous, là, c'est pour porter connaissance, pour bonjour connaissance. Bonjour connaissance. Pas mieux que, et toujours moi des noms, toujours abonné. Abonné avec channel là, qui c'est channel radio, télé poser vos dos, c'est une plus grosse channel qui est, et que son rôle doit à travers le monde. Et deuxièmement, tout, l'autre barrière qui est important, que mission nous, objectif non, c'est là pour porter et connaissance dans vous et vous-même pour qu'il y ait des déductions à faire. Et ça fait toujours mon que faire commenter, partager, like parce que ça permet de nous voir dans quelle dimension de travail à l'arrivée sur vous. Et si il y a des bails pour corriger, de corriger. Et nous demandons tout pour abonner à la chaîne, même genre que d'autres chaînes qui font partie de la radio famille, la radio télé Causé Boudou, qui se guinée, c'est la vie, Daoumi TV, Pierre Bourré. Nous demandons pour faire de même. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le dernier génie qui est en puissance, qui est le 34e, qui est le LAIA, qui s'écrit L-U-A-S-A-T-I-H-A-H-I-H, qui est en puissance. Et caractéristique, c'est l'obéissance. Obéissance, et pas bien tout à l'heure, nous avons parlé des 7 vertus de groupe ça qui est puissance. Nous avons parlé 1. Et les 7 vertus elles permettent tout attribuer au roi qui a capacité pour gouverner. Premièrement, manteau qui est symbole de dignité. Premièrement, manteau qui est symbole de divinité. C'est le globe du monde qui est symbole du pouvoir. Le globe du monde qui est symbole du pouvoir. Et c'est la main de la justice qui est maîtrise. Et c'est la main de la justice qui est maîtrise. Domination, c'est maîtrise. Et c'est le cèpe qui est symbole cèpe là, c'est puissance et autorité. Et après, il y a Anoa qui est le cinquième nom. Anoa qui est le cinquième nom, qui est le symbole influence céleste. Et il y a Couronne qui est le symbole règne. Couronne qui est le symbole règne. Et c'est le sixième nom, le septième nom qui est pour, qui est affirmation sociale. C'est les sept vertus. Même dans l'émission précédente, on dit les sept vertus de la domination. Et pas oublier que, et au-delà, et. Cette ordre lui permet que mon premier mon puissance qu'on ait capacité, lui permet de découvrir qui est lié et lui permet de capacité pour battre avec émotion. Lui permet de mettre tête, c'est que mon n'est pas émotionnel. Et si 34e génie, ça l'a bien avoir samedi 4 juillet 2023, c'est obéissance, car c'est obéissance et intériorisée. Et pour cela, génie ça tout. Il permet de développer une capacité d'adaptation. Il permet de développer ça, la sérénité pour l'homme. Ce n'est pas qui est devant n'importe problème. Et il favorise la réussite personnelle. Il permet de maintenir la paix et à développer la concentration. Merci. Il permet de développer la concentration et la mémoire soutien dans la réalisation des projets. Et comme travail, il a favorisé un cap travail. Ordre juridique, familial, conjugal, et c'est ange qui dirige le monde, qui est responsable par les actes et la parole et la paix sur la terre. Ça, c'est ensemble. Et ne parle de façon négative, tout le monde qui a adressé ange-là, certes, de façon négative, a vibré de façon négative, et peut-être avec des prières négatives, et avec le 5 de la flèche kabbalistique opposée d'une autre sens, parce que direction flèche à peut-être vers l'est, c'est pour symbole le confort, bonheur, morale, beauté, la prend l'autre façon. Et mon atout, la engendrer une certaine critique, et la bien entourage lui, la aboutir avec désespoir, c'est échec, mensonge, peur, incertitude, c'est mon ça vibre de façon négative. Pour cela, et 34e ange qui n'a plus samedi 4 juillet, un qui a rapport avec le rituel. Le rituel a essayé. Et après le rituel, il est là. Et il a un rapport avec la machine à prière qui est le grand 5 cabal. Pour cela, dans toute étape, on va prendre l'émission précédente, on va parler de là. Et qui sont va le faire, on va préciser prière là. Prière ça, il y a un rapport, excusez, prière ça, il y a un rapport avec
avec un 34e génie, qui c'est le Yaha, qui s'écrit L-U-A-H-I-A-H, ils sont en puissance. Et il dit après avoir effectué le lire et prononcé, lire et prononcer la prière suivante. On dit l'ange de l'obéissance est toujours veillante, car souvent elle vous débarrasse de vos fautes, de ce cadeau empoisonné nommé karma, donc ça l'aura de karma, ce soit fait après elle, même l'autre génération karma, que chaque être fabrique, quiconque obéira, progressa vers la liberté. Celui qui donne des ordres n'est qu'un simple instrument, un canal par où circulent les jugements du roi éternel. J'obéis, mais je clame de toi, ange, puissance, Léaha, clémence, bienveillance et tendresse pour tout ce que je fais. Éclaire-moi, Seigneur, pour que je marche dans un juste milieu. Sans en faire trop peu ni trop, je serai droit et honnête et façon permanente, afin que le mal n'ait pas le temps d'une faille pour me pénétrer. Je serai actif et mon action sera équilibrée dans le cadre de mes devoirs, dans le cadre de mes devoirs et de mon ambition, qui est de le faire pour le bonheur de tous, dans la joie, dans la prospérité, la progression permanente de l'œuvre de la création. Ça, c'est le prière de façon positive à adresser à l'Église. Le grand Pétain de hier, j'ai défini en puissance et nous définit les sept vertus de la puissance et qui c'est l'IAHA. Et pour cela, on a dit que le monde qui essayait de façon négative, de façon méchante, interpellé et génial, va vibrer de façon négative. Et soit plus souvent, on pense que c'est échec, mensonge, peur, incertitude. Et même on va voter que vous ne pouvez pas faire confiance. Et toute intention, c'est à pratiquer le mal. Et j'aime dire donc que c'est émission ça, qui c'est émission pour l'argent, émission rituelle et prière, pour des bons gens de connaissances, bons gens de détails, bons gens de formation. Pour voter que nous avons une capacité pour adresser géniaux, une capacité pour parler à géniaux. Certes, l'autre détail qui est important, c'est la rapport avec 34e génie, qui c'est l'IA, qui c'est une puissance, et c'est le pouvoir de Dieu. Merci encore une fois, et pour nous être là avec nous, et pensez que l'on a pour notre belle émission. Merci. Okay.